Thank you, Jesus. Merci Jésus. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Chaque écriture biblique est éternelle dans sa nature. Elle continue de produire dans toutes les générations. De la même manière, le soleil continue de briller depuis la création. La parole qui a créé le soleil et la lune et les étoiles, c'est la même parole que nous avons dans nos mains. Alors son effet est éternel. Peu importe là où l'on habite, l'effet du soleil est le même. Sans le soleil, il n'y aura pas de vie, de vie aux plantes. Sans la vie des plantes, les animaux, les champs ne peuvent pas survivre. Et lui, Jésus, est le soleil de la justice. Alors, chaque parole dans les Écritures est éternelle dans sa nature. Alors, l'histoire continue de se répéter. C'est hier, le Seigneur me parlait. Quand tu entends quelqu'un dire, je sais que ça va se passer. Tu ne fais rien, rien ne se passe. Je sais qu'un jour... Je sais que ça va se passer. Il n'y a rien. Rien ne se passera jusqu'à ce que tu fasses la parole de Dieu. C'est la parole de l'ignorance. Quel que soit ce qu'ils disent, je sais que je vais prospérer. Ça peut prendre du temps. Tu ne prospéreras jamais jusqu'à ce que tu commences à donner. Il n'y a pas un jour, ça va se passer. Ça va arriver. Ça se passera un jour, je sais. C'est la parole de l'ignorance. Tu veux un changement, fais ce qu'il dit. Ce qui va provoquer le changement que tu désires. Tu ne fais pas ça, tu ne verras pas ça. Il n'y a pas un jour où. Je sais qu'un jour je serai sauvé. Tu ne seras jamais sauvé à moins que tu ne te répandes. Il n'y a pas un jour là-bas. Père, tu m'as montré ce qu'il faut faire. Donne-moi la grâce de le faire. Ce réveil du milieu de l'année ne me laissera pas au même niveau qu'il m'a trouvé. Jésus, tu m'as montré ce qu'il faut faire pour m'engager dans ma conquête de voir les âmes sauvées. Jésus, donne-moi la grâce de faire ce que je dois faire pour voir le changement que je désire. Donne-moi la grâce pour me dédier à faire ce que je dois faire dans les écrits pour que la parole soit manifestée dans ma vie. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Parle-nous encore ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Acclamez pour le Seigneur. C'est mon année de briser les limites. S'il vous plaît, asseyez-vous. Dis avec moi, je sais que ça va se passer un jour. Et la parole de l'ignorance. Ça fait quelque temps que je prends des vols commerciaux, location, tout. Mais je n'ai jamais imaginé devenir pilote. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui s'envolent depuis plus de 30 ans, 40 ans. Ils ne sont même pas encore hôtesses de l'air. Alors, quand est-ce qu'ils vont devenir pilote? Maintenant, ça ne va jamais arriver jusqu'à ce que tu ailles à la formation et tu passes. Tu dois aller t'entraîner et passer. Now, someday I know. Et chaque jour, David, tu seras chirurgien. A surgeon someday. Tu peux devenir un chirurgien biblique, mais un chirurgien qui découpe les os humains. Non. Tu devrais d'abord écrire les examens du secondaire, JAM, et être admis à l'école des adultes. Où on admet les adultes de plus de 40 ans. Before you do your house job, you're already 50. Avant que tu ne fasses tes devoirs, tu as déjà 50 ans. Amen. Au moment où l'on veut déjà considérer, on dira que tu es trop vieux pour devenir chirurgien. Amen. Tout ce qui n'arrive pas par l'obéissance n'arrivera jamais. Tout ce qui n'arrive pas par l'obéissance n'arrivera jamais. Gagner les âmes est un trésor caché du royaume. Notre passion de voir les âmes sauvées
is a proof c'est of la our preuve love de notre amour pour Dieu, which empowers ce qui fortifie les croyants que les yeux n'ont jamais vu, ni les oreilles entendues. Simon, son of Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Lord, thou knowest that I love thee. Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, il lui dit, paie mes agneaux. He said il dit to encore, him again the second time, Simon, pour son la deuxième fois, Jonas, Simon, m'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus dit, paie mes brebis. Les mots, paie mes agneaux, c'est paix mes brebis. Paix mes brebis, c'est paix mes agneaux. Car il y a d'autres brebis qui sont cachées et qui ne sont pas dans cette troupe. On doit aussi les ramener. Alors nous sommes dehors dans un mandat de ramener. Allez dehors, car ils sont ordonnés pour la vie éternelle. Nous devons les ramener dans le royaume pour sécuriser leur vie. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre était attristé parce qu'il lui avait dit cela pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus dit, ça ne vaut pas la peine d'être attristé. Prouve que passion tu m'aimes en pesant mes brebis. Voilà pourquoi la passion pour les âmes est ce qui identifie. C'est la preuve capitale de notre amour pour Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il ne veut pas qu'une personne périsse. Alors il donna son fils aîné pour que tous ceux qui le croient ne lui ne périsse point, mais elle a vie éternelle. C'est la capitale, la preuve capitale de l'amour de Dieu pour les âmes perdues. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer ce qu'il aime le plus. C'est pourquoi chaque passion véritable des âmes donne naissance à une autre merveille vivante dans le royaume. Toute passion véritable soutenue pour les âmes. Every genuine toute passion véritable passion est soutenue pour les âmes, races, donne naissance aux merveilles vivantes dans le royaume. For eyes have not seen, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui ne se sont point montées dans au cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Whosoever has my commandment and keeps celui qui is a one that loves me. Mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de son Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14:21. Alors notre passion de voir les âmes sauvées, c'est la preuve capitale de notre amour pour Dieu qui nous renforce à voir ce que les yeux n'ont pas vu ni les oreilles entendu. C'est la raison pour laquelle je sais que cette commission est une plateforme ordonnée pour la naissance des géants, la dimension que le monde n'a jamais connue. Je suis sûr de ce que je parle. Tiré des écritures prophétiques et voyant Dieu remuer l'esprit des hommes et femmes, garçons et filles dans cette église, un petit garçon dit à sa mère, j'ai besoin de 98 prospectus parce que je veux la mention excellente dans cette matière. Alors, il prit 98 prospectus et a sécurisé sa mention excellente dans une matière où il a des difficultés de survivre. Direct. Un garçon de l'école secondaire. Amen. Voilà comment un jeune enfant, un adolescent qui ne pouvait pas acheter la fiche de jam, s'est engagé à la chasse hunting for souls, pour les âmes, praying for the priant pour to grow, les cellules de croire and et s'est retrouvé en Amérique avec la bourse scolaire. No money to buy jam, go to pas d'argent pour acheter la fiche d'inscription de jam pour entrer dans une université au Nigeria. Même la cheminée sait aujourd'hui qu'il a nagé. Alors, notre véritable amour et passion de voir les âmes sauvées
is what causes the giant in us to rise. Cause le géant en what nous eyes have not seen or ears heard. C'est que les yeux n'ont point vu ni l'oreille entendu commence à se manifester dans nos vies. Merci Seigneur. So going after aller the derrière lost, les hommes égarés, comme like dans Luc 15, 4 à 7, remue la joie au ciel et donne des célébrités sur la terre. Tu sais, il y a la joie lorsque quelqu'un marque un but. Gloire à Dieu. Alors tu deviens la star de l'équipe, car il y a la joie au ciel quand tu ramènes une personne en rue. On applaudit pour les stars et non pour les échecs. Amen. C'est ça la preuve. La preuve biblique de notre amour véritable. 2 Corinthiens 8:8. Dans Corinthiens 8:8, la Bible dit pour prouver la sincérité de votre charité. Tu sais, je t'aime, même si tu le fais en pleurant, cela ne prouve pas que tu l'aimes. Ce n'est pas que quand tu chanteras, pleureras, ça voudrait dire que tu m'aimes. Même tu, il répondit, je t'aime. Paix mes brebis. Pour prouver que tu m'aimes. Même si, oui, mes agneaux, personne ici n'échouera. Et Jean 10:6, j'ai encore d'autres bébés qui ne sont pas dans cette bergerie. C'est là qu'il faut que je les ramène. Acte 13:48, et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crut. Alors, allez à la chasse pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle pour prouver notre amour. Amen. That's why so many is the pathway. Voilà pourquoi gagner les âmes est le chemin du couronnement des croyants. Maintenant, écoutez ceci. Proverbe 11:30. La Bible dit, le fruit du juste est un arbre de vie, and he that winneth et le sage s'empare des âmes. Now, maintenant, Proverbe 8:15-16. Les rois règnent par la sagesse et les princes ordonnent ce qui est juste. By wisdom, princes le prince dirige nobles, par la sagesse even all the judges les grands of the earth. Et les juges de la terre. Ceux qui auront été intelligents diront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice comme l'étoile à toujours et à perpétuité. Stars forever and ever. So, soul winning. Alors, gagner les âmes entrône les croyants. Gagner les âmes entrône les croyants. Tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de Tibia. Over 10 cities. Serving God servir and Dieu the interest of his kingdom et les intérêts de son royaume entrônent les croyants. Luke 19, verse 17. Luc 19, 17 à 19. Another one à un autre, il donna le gouvernement cities. De cinq villes. Praise God. Dieu soit loué. Serving God servir and Dieu the interest of his kingdom et les intérêts de son that royaume entrônent. Voilà pourquoi je sais many kingdom kings beaucoup de rois du royaume sortiront de cette commission. And that includes et ça, tu inclus. That includes all our online worshipers. Ça inclut tous nos membres connectés en ligne to go outside the qui essayent d'aller hors du camp to go outside the gate en portant son approche. Lastly, pour finir, pourquoi gagner les âmes est un trésor caché. Gagner les âmes renforce le croyant à opérer dans la sagesse divine qui engendre l'exploit surnaturel. Tu vois, quand tu es dehors pour Jésus, il dit, je suis toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Je suis toujours avec toi. Allez partout dans le monde et prêchez l'évangile. Avez-vous vu ça dans le verset 18 de l'Éternel? Enseignant toutes les nations, amen. Je suis toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu sais quoi? Celui qui marche avec les sages sera sage.
Alors, aller après les âmes et marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus rend sage. Amen. Celui qui marche avec les sages sera sage. Maintenant, tu marches avec le seul Dieu sage. Comment je l'ai appelé? Comment est-ce que la Bible l'appelle le seul? Il n'a pas de comparaison. Ce n'est pas moins sage, sage, plus sage. Non, le seul. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de sagesse, c'est dans sa classe. Ce n'est pas dans d'autres classes. On dit toute la sagesse s'est tournée en folie. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Les êtres humains, comme des anges, vont commencer à opérer sur la terre. Les êtres humains, comme des anges, vont commencer à opérer au Nigeria. Êtres humains, comme des anges. You know, there is no tu sais, il n'y a pas de contracteur nommé avec le tabernacle de foi. You only have suppliers. Non. Nous avons seulement des livreurs. Les pasteurs l'ont construit. Tu n'as encore rien vu. Quand ces géants de sagesse divine commencent à se manifester, giants begin to manifest, we are going to see something. Tu vas voir quelque chose. The light will just come. La lumière va soudainement apparaître. And something will erupt. Et quelque chose va juste errer qui aura un impact sur les nations à partir des personnes ordinaires comme toi et moi. So gagner les âmes empowers believers, enforce les croyants to operate in supernatural d'opérer wisdom dans la sagesse that has qui no n'a comparison pas de comparaison. Et breakthroughs les percées sont commandées par what la sagesse. Wisdom is this, that such mighty works d'où lui viennent ces sagesses et ces miracles? Thank you, Jesus. Merci Seigneur. When he came to his own country, s'étant rendu dans sa patrie, he taught them in their synagogue. Il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Amen. Amen. The law by wisdom has par la sagesse éternelle a fondé la terre. Par l'intelligence, il a fermé les cieux. Que tes œuvres sont un grand nombre, éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Que tes œuvres sont un grand nombre, diversité de ses œuvres. Amen. Sais-tu que Hergé Lutoroni, un Français, un petit mécanicien, dessine une pioche, le premier A majeur d'un équipement mobile sur la terre. Dieu lui a apparu, lui disant ce qu'il fallait connecter sur ce qu'il fallait connecter. Il était accro de Matthieu 6, 33. En fait, il leur a dit de dire sur sa tombe, ici est couché un homme que Matthieu 6, 33 a fabriqué. Quand Dieu te dit ce qu'il faut connecter, ça va marcher. C'est pourquoi j'ai dit que le monde n'a encore rien vu. Toutes ces histoires de salles de classe sont limitées. 2Y plus Y plus ceci égale ça. Tout ceci aussi long égale à zéro. Toutes ces formules, deux étages, trois étages égale zéro. Je suis désolé, mais c'est égal à ça, c'est égal à zéro. Quand il faut comparer avec la sagesse de Dieu, c'est égal à zéro. La sagesse qui a suspendu la terre et créé des milliers de galaxies et ne se sont jamais croisés jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Le soleil n'a jamais dit je suis fatigué depuis ce temps, je dois me reposer. Le soleil continue de briller, ça n'a jamais perdu sa splendeur et ça n'a jamais perdu son potentiel de générer la nutrition pour les plantes. Amen. Dieu merveilleux.
Now, check it. Mais regarde ça. Jérémie 10, 12. Jérémie 10, 12. 10, 12. 10, 12. Et c'est... Il dit, God has made Dieu a créé la terre par sa puissance and has et a formé le monde par sa sagesse et étendu les cieux par son intelligence. So the whole creation alors toute la création has its foundation a sa fondation sur la sagesse et l'intelligence des cieux. The world is still trying le to monde find out essaie encore no de savoir combien de choses avons-nous n'ont pas encore trouvé. Oh, profondeur de la sagesse et de la science. Que ces jugements sont insondables et ces vies compréhensibles. C'est l'une des choses qu'on bénéficie. Aller derrière les âmes et marcher avec Jésus. Et il te rend sage, jour pour jour, sage, jour pour jour. Dimanche passé, cette église a planté 233 églises. Dimanche passé. Nous avons eu ce rapport hier du bureau de la mission. 233. Celui qui se positionne pour arrêter l'église durant sa vie. Regarde, la parole le dit. Tu ne peux pas. À moins que tu n'arrêtes le soleil. Si tu arrêtes le soleil, tu arrêtes ta vie. No animal life. Pas de vie d'animal. Pas de vie humaine. And the leaves et les feuilles servaient à la guérison des nations. The healing of the nations. You stop the church, tu arrêtes l'église, la nation meurt de plaies et de maladies incurables. Mourir comme un like poulet. Chicken? Pourquoi poulet? Chicken tu meurs comme des like cafards. Tu meurs comme des cafards. Like levez-vous, s'il vous plaît. Amen. Amen. So, agent de la sagesse divine, je m'incline pour être libéré. Les gens dont les affaires commanderont l'attention globale vont commencer à se libérer. Les gens qui savent quoi faire dans toutes les conditions vont être bientôt libérés. Maintenant, attendez, que je vous dise ceci. Il n'y a pas de sagesse technique sous le soleil qui peut construire le tabernacle de foi. Monsieur, si tu as 10 milliards de dollars, tu ne peux pas le faire en un an. Solide. C'est un bon cas. Solide. In one year. Voilà comment Dieu va vous surprendre dans la vie de chacun. De manière que les gens seront simplement en faisant des choses ordinaires pour suivre des âmes, simplement en faisant des choses ordinaires pour suivre des âmes, et tu deviens plus sage jour pour jour. N'est-ce pas Dieu est merveilleux? Élevez vos mains, tout le monde. Demandez la grâce à Dieu pour continuer de prouver la validité de ton amour pour lui à travers la passion meurtrière pour les âmes. We have less than 2 weeks more nous to go. Moins so, de 2 semaines pour la fin. Alors, demande la sagesse à Dieu. To help you to tap into wisdom from him. La sagesse divine. That will keep you qui going. T'aidera sur son chemin. Under all dans conditions. Toutes les conditions. In Jesus. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Now, maintenant, the day ce jour is est déclaré ton jour. It's a day the Lord has made, you shall rejoice and be glad in it. Tu t'y réjouiras et seras heureux. Your chagrins ne sont pas permis. La dépression n'est pas permis. Plan de Dieu s'accomplira sûrement pour tous ceux qui sont engagés. Ce trésor que Dieu nous révèle, ce trésor que Dieu nous révèle pendant cette exhortation de l'heure de prière matinale va continuer de se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Thank you.